Mais non, mais putain! Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Bon, attends, on reprend. Ok. Comme quoi, hein, charger les coups de poing servent à rien dans le jeu, quoi. J'avoue que c'était les gants du sida, quoi. Mine de rien, faut faire gaffe, hein. Vous voyez la différence entre une partie skillée et non skillée? Bon, reprenons. On a un anneau, mais oui. Donc, notre pierre sous-jacente là de plume. On y fout une amulette, voilà. On crée l'amulette. C'est l'allumette de mes couilles. Je boum et on la met. Maintenant. Mais il y a des ennemis proches, non mais ta mère. Oh mais putain, un petit gobelin. Non. Ah non, c'est les pires. Ah. Attends, peut-être que là, il y a moyen, vu qu'on est dans la steppe. Je crois qu'il s'en fout. Je crois qu'il s'en bat les couilles. L'avantage c'est qu'on peut... J'ai gaspillé toutes mes flèches. Oui, je peux attendre une heure. Voilà, et en plus ça a sauvegardé. Ah mais on voit plus rien. Mettons mes gants du cancer. Ah ma cuirasse est morte. Ah oui d'accord, le mec n'a aucune... Autant l'enlever quoi. Oh. J'avoue. C'est pas mal. Ah putain, mais c'est pas avec ça qu'on va refaire le monde, hein. Mais j'ai un marteau. Mais oui, mais ça va pas réparer totalement un truc cassé. Et oui, j'aurais dû le réparer avec mon marteau avant. C'est bon, ça marche. J'ai tapé dessus avec mon marteau, bah ça l'a recousu quoi. C'est normal que mon perso ressemble à Benedict Cumberbatch, on a essayé de le déformer et de le rendre inhumain. Putain, le parcours dans Oblivion, c'est quand même un jeu dans le jeu. Hein. Regarde ça. Bon, reste à savoir ce qui se passait. Là maintenant, j'ai détection de vie. Oh. Aïe. Quoi? Un rat mutant. Sérieux? Tu te rends compte que le rat, tu l'aurais moins bien vu, si j'avais pas mis autant d'herbes. Si tu peux désactiver toutes les herbes folles là, et du coup tu vois mieux les rats. Oh la musique. Mais regarde, il y a des petites particules qui sont stylées, quoi. Ah oui, il ne faudrait pas que je vole un putain de clodo, quoi. Les fondements de l'alchimie. Merci, Riley. C'est moi le fondement, quoi. Tu vas voir ce que je vais faire de ton fondement de l'alchimiste. Quelle aventure.
trouver. Merde. J'ai foutu un pain. Hein. Oh putain. La vieille porte en bois du fort Caracactus. Ah, il y aura un petit moment de lecture dans le prochain truc, c'est promis. Là, regardez, nous avons pénétré dans un donjon et attention, les murs bougent. Avec labyrinthe et labyrinthe master. On va s'infiltrer, mais avec une torche. Ça me paraît être la chose lucide à faire. Toujours aussi beau, je... Ah, il y a un mec qui se dit... Sûrement des rats. Je n'ai plus rien. C'est terminé. Merde, salut, mais qu'est-ce que tu fous là? Putain, mais c'est un putain de nécromant de mes couilles. Il a beaucoup de PV, il a beaucoup de PV. Sauf que par contre, les mecs... Pff, et voilà, ils tombent à la renverse. Même Mark Landers en tombe à la renverse. Tiens, mais je vais te ramollir le cul, moi. Je vais te l'attendrir. Ah, des chaussures en daim bleu, ça par contre je prends. J'attends une heure sur ton cadavre. Voilà, merci. Maintenant je cours, je m'en fous. De toute façon je vois à travers les murs, qui bougent. Labyrinthe et labyrinthe master. Et oui, un mon RP c'est 10 foot des pins. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression qu'il tape aussi fort d'une main en fait. Je vois pas la différence entre le fait de mettre des patates d'un seul coup. Je veux le jambon qui est derrière ce truc. Merde! Nique ta race! On peut le looter à travers! Je prends le balai. Mais non, il pèse 4! Moi, je suis le 100 Punch Man. Mais quelle chérie! Mais quel donjon du pauvre! Attendez, mais c'est pas ça votre honte secrète! Ah si, rien d'autre. On va voir où m'emmène le truc. Putain, il y avait que ce con là quoi. Ah ben c'est, oui, c'est pas des ruines au level, ça par contre je pense qu'on avait remarqué. Mais ça se trouve c'est juste un endroit où il y aura une quête plus tard. Hein. Ah oui, on arrive en haut d'un truc ou en bas. Ah, on est à flanc de colline, et regarde, c'est stylé. Bon, rien sur 20, ceci dit. Ah, il faudrait que je dorme. On aura gagné un level. Attends, en bas, il y a un petit pont. Mais attends, c'est une musique d'exploration ou pas, ça? Voilà, il y avait un crabe des vases de la CIA qui vient me tester.
alors? Le gars a un orgasme spontané. Ah! Bon, ça m'arrive, mais quand même, calme-toi. Je veux voir cet endroit, mais quand il fera... quand le soleil se... au lever du soleil. Oh, c'est beau. Oh! C'est beau! Oh, regardez-moi ça. Passons par le pont, pour pas se mouiller. Oh, il voit de la queue de la chiasse, bordel. Ah, il faut spammer les sorts de soins pour level up, faut pas attendre. Ah oui. On est bientôt arrivé, hein. Oui, je veux une armure. Oh, regardez ça, j'ai la petite dague et les petits gantelets de Dédra. Allons découper du crabe. Allez, et ma lame est rouge sang. Non, en fait, c'était déjà le cas. C'est pas grave. Mais regardez-moi ce pixel shader quand même sur les reflets. Ouh, ça me donne le vertige, moi. J'ai l'impression que ce jeu vient de sortir. Allez, la texture n'est pas dégueulasse non plus. Allez, ce screen. C'est beau. Désolé, mais c'est beau. Voilà, je fais un screen sur Steam, je m'en fous. La cité impériale, c'est par là-bas. Ah, mais je suis recherché. Ah, bah, il va falloir aller voir Borus en mode stealthy. Ouais, je suis au début du jeu, oui, ça fait que 7 heures qu'on joue. Un truc dans le genre. Merde, j'ai trouvé un lien de route. Heure de sommeil, 27. Heure d'attente, 107. Le mec a déjà attendu beaucoup trop de temps. Ah, mais il n'y a pas les heures de jeu. Mais je suis con, moi, elles sont sur la sauvegarde. 6 heures de jeu. Faudrait vite se coucher quelque part, genre chez le mec là à qui j'ai volé un cheval déjà. Oui, reste. Adieu. Je pourrais te tuer et après c'est ma maison, on dirait. Ah oh, bah le mec s'en bat les couilles. Santé de niveau. Un flux entre celle de votre santé et l'accroissement de santé et l'augmentation de niveau, la parade, l'armurier, l'armure lourde. Mais non, la force et la volonté. Ah, bonjour. Ah! Mais non, j'aurais dû garder mon arme pétée. Parce que là... Ah, on peut le pickpocketer. Il a une hache de fer. Au voleur, attends. Pas un pas de plus, vermine. Mais attends, je n'ai rien pris. J'ai juste fait tes poches. C'est pas grave.
un pas de plus, vermine. Personne n'en fera. Putain de garde télékinésie. Salut. Pas un pas de plus, vermine. Personne n'en fera. Attends. Mais est-ce que ça le fait aussi quand je me dénonce pas? Parce qu'ils sont pas royés sur moi. Donc tant que je parle Kaborus. Qui a-t-il, citoyen? C'est fini hors la loi. Qui a-t-il, citoyen? C'est fini, connard. Comment ils sont pétas, quoi. Oh, cette statue de dragon. Je veux spoiler personne. Mais c'est stylé, hein. Puis déjà, de toute façon, quand tu voyais le trailer, tu voyais ce décor, tu faisais ok, ok, les mecs sont très sérieux. Les gardes bipolaires. Borus. Il est là-bas. Bon, toi, tu n'es pas un garde. Pontius Vanille, à la retraite. Je fais la grasse matinée et je lis les romans de Pacotti. Je t'ai rien demandé. Je ne m'intéresse plus aux affaires. Adieu. Ça c'est chez quelqu'un. Mais maintenant que j'ai volé des trucs, je devrais peut-être aller à la guilde des voleurs. Je suis trop. Oh, l'ambiance d'Oblivion, elle est pétée quand même. C'est magnifique ce jeu. The King and the Queen Tavern. The Lumberboard's Boarding House. Ah mais c'est là. Oui, je vais ranger mes points, pas les points. Borus, tu es là. Passez votre chemin, mon ami. Passez. Ce mec est vénère. La pension de Lutherbourg. Au revoir. Asseyez-vous. Ne dites rien. Faites ce que je vous dis. Comment il sent la lavande, le gars? Attends. On va changer. Déjà, je vais mettre mes petits chaussons bleus. Ah mais non, mais mon casque, il est mort aussi. Bon, ben enlève-le, t'as l'air d'un con. Reprends tes gants pour sortir des objets du four, là. Hop là, je ne sais pas m'asseoir. Écoutez, je vais me lever dans une minute et sortir d'ici. Le type qui se trouve dans le coin derrière moi va me suivre. Suivez-le. Heureusement que tu as les yeux qui pétillent, Borus, sinon ce serait quand même chaud. Hein. On serait pas loin de... Voilà... Ça, moi, j'ai des quand je te vois comme ça, j'ai des souvenirs de ma trousse d'écolier poivre blanc. Je dis ça, je dis rien. J'ai trouvé la personne qui doit hériter. L'ennemi à l'amulette. Non, suivez-moi. Ok. Souvenez-vous. Je te suis, Borus. Me suive. Oui. Je veux voir ce qu'il va faire. Discretos. Ah, est-ce que vous voulez, ça me regarde. Voleur, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Si, si, je me casse. Ah! Je n'ai pas peur de la Oh, fils de pute! Bon, j'ai foutu autant de patates à Borus. Je n'ai pas peur de la mort. L'agent ennemi qui avait attaqué Borus est mort. Il faut que je retrouve ce que Borus a pris sur nos ennemis. Fouillez-le. Je vais surveiller les alentours, si jamais il a des amis dans les parages.
Le garde, lui, il était juste stressé. J'ai trouvé un livre étrange sur la secte de l'aube mythique. Il faut que j'aille montrer ça à Boru. Bon travail. J'ai du pot, il est là. Je vous voir, au fait. Vous arrivez au mauvais moment. Moi aussi, je suis content de te voir, Boris. Les assassins qui ont tué l'empereur faisaient partie d'un culte d'Edric appelé l'aube mythique. Il semblerait qu'ils vénèrent le seigneur d'Edra, Merun Dagon. Mais Burn Dagon ? Un de leurs agents dans la cité impériale et ils ont dû s'en apercevoir. L'ennemi à l'amulette ! C'est une très mauvaise nouvelle. J'ai trouvé la personne qui doit hériter ! J'espérais vous avoir bien entendu. Talos soit loué. Les lames protégeront Martin jusqu'à ce qu'il puisse réclamer son trône, ne vous inquiétez pas. Ou nous mourrons en essayant d'y parvenir. Ah, c'est bien, ça, ça a l'air bien. C'est quoi qu'on fait ? Il y a une érudite à l'université Arcane. Elle s'appelle Tar Mena. Elle est censée être experte dans le domaine des cultes d'Edric. Le domaine des cultes d'Edric ? Pour voir ce qu'elle en pense. Je vais suivre les pistes du réseau de l'aube mythique. Si vous apprenez quoi que ce soit, vous pourrez me trouver chez Luther Broad. Puisse Talos vous garder. Vous habitez là ou quoi ? Tar Mena ! Comme je vous l'ai dit, c'est un des cerveaux de l'université Arcane. Elle est censée savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les cultes d'Edric. Les culs d'Edric ? Pardon. J'espère que Tar Mena vous apprendra quelque chose sur ce livre. Je suis de votre côté ! Ah, pardon. Ça fait deux fois que vous me frappez ! Mais c'est une petite tape sur le cul ! Oh ! Allez, mes copains ! Bon, ben lui, on le laisse là, hein, j'imagine. Hein. Je vais chier là. C'est fini, hors la loi. Vos méfaits sont terminés. Je vais saisir vos marchandises volées. Ensuite. Mais pourquoi Dommage. Je pourrais. Très bien. Voici ce qui va se passer. Nous allons aller au château. Là-bas, on vous fouillera et vos marchandises volées seront confisquées. Ensuite, si vous... Non, attends. Mais c'est quoi cette sauvegarde auto de la rigolade, là ? Non ! Bon, alors attends, on va tout faire en mode speed. Pourquoi le garde, il était là, putain ? Écoutez. Bon, on dit que c'est RP, hein. J'arrive avant lui, quoi. J'espère que Tar Mena vous apprendra quelque chose sur ce livre. Ça pourrait bien être la chance dont nous avons besoin. Bah, pas de garde. C'est... Pourquoi tu me surveilles ? Regarde, je prends ta citrouille. À l'aide, vite, on a un voleur. Je la mets là. Ça devrait pas me faire autant rire, quoi. C'est que je suis vraiment le mec qui est là, genre... C'est ton repas, ça ? Si je mets le doigt dedans... Non, ma purée, enfoiré! Oh, salaud! Mets pas tes trous dans mon froid! Mets pas tes doigts dans les trous de mon C'est gruyère! Fini, mais regarde, il a vraiment appelé les flics! Terminées. Je vais saisir vos marchandises volées! Ensuite, c'est à vous choisir! L'amende ou. Le mec de...
vermine. On vous passe d'oise dans la purée des gens. Il avait bougé d'un millimètre. Et le mec, le flic, il débarque, quoi. Oh merde, j'ai réveillé Marion. La suite. Mais attends, c'est quoi ces quêtes là? Voilà. Découvrir que l'ennemi était en fait une secte des directeurs. J'allais voir Tarmana, l'université des arcanes. Voilà, c'est là. On s'y téléporte. Voilà, donc la cité des arcanes. C'est salut! Fini hors la loi. Vous met... J'ai tellement pas de peau quoi. On va y aller à pied. Oh. Qui sont chiants quand même. Comment allez-vous? Ah, salut oui. Toi. Oui. Tu ressembles beaucoup au Grenard Gris. C'est ce criminel recherché par les forces de l'ordre. C'est un maître volant. On raconte. Prenez soin de vous. Je suis tout oui, citoyen. Faites pas semblant que vous êtes gentil, parce qu'après je vais vous demander l'heure et vous allez m'arrêter. Ah, c'est que je peux me soigner, même quand j'ai toute ma vie, putain, mais moi je suis pas lucide. Tous les citoyens sont les bienvenus dans le palais. Non, c'est faux. C'est loin, hein. Bienvenue à Long Sanglot. Bonjour. La cité de la magie. Mais ça, tu vois, c'est typiquement des jardins où tu fous jamais les pieds quand tu joues, quand tu bourres juste les quêtes comme un bourrin, quoi. Alors qu'ils sont magnifiques. Non, non, ne tombe pas. Mais quel con. Regardez, ils ont vraiment rendu un... Il y a vraiment un petit rendu rugueux sur les textures. C'est pas dégueulasse, hein. Puis cette vue, quoi. Oh là là, le jeu qui faisait voyager. Et puis tu voulais partout. Putain, plus partout même, je dire, j'oserais dire. Que beaucoup d'autres jeux sortis plus tard. Hein. Encore une fois, je rappelle, ce jeu a 10 ans. Je suis tout oui. Non, c'est faux. Comment ça va? Ah, mais t'es là. Vous devez être la personne dont on m'a parlé. En quoi puis-je vous aider? Whoopi Goldberg. Vous en avez entendu parler? L'un des cultes d'Edric les plus secrets. On ne sait pas grand-chose à leur sujet. Ils suivent les enseignements de Mankar Kamran. Le sexe oral doit tellement pas être plaisant avec toi.
personnage obscur, s'il en est. Obscur, genre... comme Borus? Ah oui. Commentaire sur le Mysterium Xarxès. Merveilleux. Vous vous intéressez particulièrement au culte d'Edric, si je comprends bien. Ouais, parce qu'en fait, je connais cette gothique, là. Elle fait du spiritisme après les cours. J'ai envie de m'ambiancer avec elle, tu vois, de lui caler un doigt. Vous les avez trouvés. J'arrête de m'en mêler, c'est promis. Mission officielle et tout. J'ai l'habitude et tout, de travailler avec les larmes. Et tant. Ne vous inquiétez pas. N'en dites pas plus. En tout cas, il ne sera pas... Moi, j'ai les points comme ça, quoi. J'ai un peu étudié les écrits de Mankar Kamoran moi-même. Du moins, ce que j'ai pu trouver. Le texte indique clairement que les commentaires de Mankar Kamoran comportent 4 volumes. Mais je n'ai jamais vu que les 2 premiers. Ah ouais, non, mais ils font pas la suite, c'est comme le film animé, c'est un anneau, y a pas la suite, mec. Sur l'emplacement du sanctuaire secret de l'aube mythique qui mène à Mérun Dagon. Mais Mérun Dagon ? Ceux qui découvrent le passage secret se montrent dignes de rejoindre le culte de l'aube mythique. Le premier test consiste à trouver le sanctuaire. Si vous trouvez ces indices, il vous faut les 4 volumes des commentaires. Oui, Galbator me fait marrer sur le chat à dire lui caler un doigt dans la purée, quoi. Mais où c'est les livres? Il faut que j'aille dans une bibliothèque et tout. Je connais pas, j'ai pas ma carte. Voici déjà le tome 2 qui figure dans la bibliothèque. Prenez-en soin, je vous en prie. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais vu le 3e ni le 4e tome. Essayez la librairie première édition dans le quartier du marché. Putain, et si c'est à la librairie, tu pouvais pas vous vérifier toi-même, quoi? Je les ai jamais vus. Mais en même temps, ils sont peut-être à la médiathèque, mais personne n'y va. Jamais. Ils adorent le seigneur des draps, Mérun Dagon. Mais Burn ? Aux écritures de leur chef, Mankar Kamoran. Personne ne connaît l'étendue de ce culte, ni l'emplacement de ce culte de Mérun Dagon. On dirait que je suis bourré maintenant. Personne ne connaît l'étendue de ce cul. Vraiment. Il y en a pour des kilomètres carrés. Allez, cassons-nous. L'archimage Traven est le premier à s'en prendre ainsi à la nécromancie. Cela a choqué pas mal de gens. C'était un réel plaisir de bavarder avec vous. N'oubliez pas de me dire comment se passe votre quête de l'aube mythique. Ils ont tous des sorts pétés, quoi. Le mec a invoqué un katana, l'autre un squelette, l'autre un truc. Il rigole tellement pas. Faut pas beaucoup de dégâts, ceci dit. C'est fini, hors la loi. Ah, c'est pour aller dans la salle du conseil. Je n'ai pas le droit d'y aller. Sortez d'ici. Va poser ça tout de suite, sale crapule. Pas comme ça. Je vous préviens. Sortez ou j'appelle les gardes. Reposez ça tout de suite, sale crapule. Espèce de... Reposez ça tout de suite, sale... Espèce de... Voleur. À l'aide. Espèce de... Halt. À l'aide. Repose ça, enculé. À l'aide. Ben, il vaut plus rien. Halt! Vous avez enfreint la loi. Payez l'amende au tribunal ou purgez votre peine. Bon, soyons sérieux.
Bonjour. Ce qui est marrant, c'est que ça, par contre, ça, c'est, ça t'as le droit. Regarde, ça t'as le droit, vraiment. Ils sont vénères comme c'est pas permis. Sauf que tu vas là, ils font hey, t'as rien à foutre là. J'aimerais bien qu'on me laisse tranquille. Allez-vous-en. Je vous préviens. Sortez ou j'appelle les gardes. Ah, au bout d'un moment, ils perdent patience. Mais je me casse! Je suis tout oui, citoyen. Non, c'est un piège. Alors, nous avons un livre. Ta-ta-ta-ta. Oh, ça me donne de la vocation. Ça me fait penser qu'il n'y a pas eu d'atelier lecture. Commentaire de Mankar Camoron sur le mystérieux Xarxès, volume 1. Salutations, novice et nécrainte. Oh ben nécrainte, nécrainte. Non mais voilà, il y a déjà une faute de frappe, putain, il est où l'apostrophe? Mankar Camoron était comme toi somnolent, inconstant et inconscient. Wesh, nous mortels quittons les entrailles maternelles dans les mêmes appareils, vêtus de la seule symbiose de notre, avec notre créatrice, et à force d'efforts, nous abandonnons le foyer fort d'un regard nouveau, sans crainte de laisser notre mère derrière nous. C'est alors que nous la détruisons à jamais pour pénétrer dans le domaine du seigneur Dagon. Et c'est pour rimer avec détruisons. Lecteur, ce livre t'ouvre la porte de ce domaine. Tout destructeur que tu dois présenter les clés. Le seigneur Dagon n'accepte que ceux qui savent s'arrêter. Les autres seront pris par Orbi dans la course folle. Ekmarsh, écoute les conseils. Maîtrise cette impatience qui te dévore les guiboles. Viens comme seigneur Dagon l'exige, avance lentement muni de 4 clés, sache qu'en toi coule maintenant un sang royal, tu appartiens à une nouvelle race de destructeurs dont le jardin est inondé de fleurs, connues et inconnues comme à l'aube mythique. Puisses-tu pousser ton gré primal et revenir au monde transformé? Il s'établirait cette fois une néo-symbiose, le maître semblable au maître, né de miasmes putrides. Nulle part nous ne sommes connus, inconnus. On tremble sur notre passage, peut-être nous as-tu rejoint par la guerre, l'étude, l'ombre ou l'alignement de certains serpents. Il n'existe pas 2 voies identiques, la récompense n'en est pas moins unique. Va faire tes courses à prise unique. Bienvenue, Nobis. Ta présence ici témoigne de ton sang royal. Glisse la main dans ta poche et regarde. Tu y découvriras la première clé brillant des feux d'une nouvelle aube. La nuit succède au jour. Sache que cette première vision se noiera dans les eaux agitées du soir, mettant la foi à l'épreuve. Encore une fois, n'aie crainte, même l'usurpateur a sombré dans les abysses avant de se redresser pour se réclamer sa flotte. Que tes craintes soient apaisées, la mise à l'épreuve de tes croyances n'est pas vaine. Dans le jardin de l'aube, nous serons baignés par la lumière de la réalité. Viens comme le seigneur Dagon l'exige, avance lentement muni de 4 clés, notre ordre est fondé sur les principes de la doctrine suprême. Novices chevaliers, chapelains et maîtres, que les mauvaises se brûlent
les ailes dans sa lumière, comme par l'excès de notre vision et que notre savoir arrive. Toutefois, n'oublie pas que ta vision est encore étroite. Tu es invité, mais ne sais pas encore où. Mon injonction émane d'un livre rédigé dans les déserts de rouille et de sang par le seigneur Dagon en personne. Il est intitulé Mysterium Xarces, compilation d'Aldmer et Tada, ancêtre de l'amante de tout secret. Chaque parole est secrète et effilée comme le rasoir, vaporeuse mais violente, tel un cataclysme teinté d'une nouvelle... Tel un rouge breuvage. Voilà qui atteste de ton nouveau rang, mon enfant. Ton nom est maintenant taillé dans sa masse. Palais, cabane ou caverne, tu as quitté les brouillards de la conception. Nous, Mancia, liberté, réjouis-toi des promesses du paradis. Se formeront et se déformeront sans cesse autour de toi les exploits uniques, accomplis une heure seulement avant leur éclosion, un néant s'épanouissent, comme les habits. Sacerdotaux, tenue divine revêtue pour danser au pied d'or du seigneur Dagon. Dans un bras, un orage, dans l'autre, une pluie diluvienne, dans le troisième, tout l'amadou d'Anu, et dans le quatrième, les yeux mêmes de Padom. Rayonne de joie, toi qui possèdes la première clé, car la foudre s'abat dans la pourriture des faux paradis. J'ai erré en chantant des cantiques à en perdre la voix. J'avais lu les mystères du seigneur Dagon et noyé par le souffle du renouveau, je me suis fait emporter même, c'est mieux, par la folie. Mes paroles ne trouvaient pas prise, il m'a fallu me cacher. Ce n'étaient pas des paroles pour le commun de Tamriel, dont le clergé simulait autrefois l'existence de l'aube. J'ai tiré le son de mes erreurs. L'humilité était la sagesse profonde de Mankar Camoran. Avance lentement, muni de quatre clés. Le don de moi-même à l'aube a permis aux gerbes de grâce de me maîtriser. Lorsque ma voix me revint, je parlais une langue nouvelle. Trois nuits plus tard, ma langue était de feu, rouge comme un breuvage et filé comme un rasoir. J'avais aperçu le chemin menant au jardin. Je savais que pour guider les autres vers le port, je devais me noyer dans un océan de recherche. Sache que j'ai trouvé ma flotte et que tu es le vaisseau amiral de mon espoir. Salutations, novice et crainte, Mankar Camoran était comme toi, somnolent, inconstant et inconscient, mais ce n'est plus le cas. Maintenant j'attends de me délecter avec toi de l'observation de tous les mondes du cosmos. Numancia, liberté. Ah, le deuxième volume! Commentaire au sujet du Mysterium Xarces par Mankar Camoran. Altadun, celui qui ce document trouvera, je l'appelle mon frère. Les réponses sont dans les délibérations quand les esclaves de Malbogie, de Malbioge, qui ont connu Numancia, abattent leur roi geôlier, Mastiaque, que le Xarces Mysterium appelle l'Arcaïne, Mastiaque dont la carcasse fut charriée à travers des rues par ses propres marcheurs d'os, dont la chair fut ouverte sur les rochers et dont les anges qui l'aimaient ne buvaient plus les ichors, hurlant que tous connaissent le libre arbitre et leur fasse ce qui leur sied. Ta venue était prévue, mon frère, par le seigneur Dagon dans son livre de rasoir. Tu arriveras tandis que les idoles tomberont à tes pieds une par une. Tu es exalté dans des regards qui n'ont pas encore posé les yeux sur toi. Toi, soupirant d'expérience, briseur de manteau, toi, mon frère, tu t'assieras avec moi au paradis et seras libéré de toutes inconnues. En vérité, je te montrerai son livre et sa rubrique, impie au foisonnant plumage, afin que tu puisses mettre en symbole ce que tu sais déjà. La sphère de la destruction n'est que le lait de ceux qui ne sont plus asservis. Je te reproche point tes errances, car elles sont attendues. Car elles sont attendues et reçoivent la grâce des huiles. Je ne désire point tes chutes, même si sans elles, tu pourrais me surpasser, même dans l'émergente terre de tous les infinis. Le seigneur Dagon ne te veut aucun mal à l'exception du plus essentiel.
est-ce qu'il désire, tu dois le désirer, et ainsi apprendre des pages de Dieu, ceci le rituel du désir. Top chuchote à l'oreille de la terre et de la terre, et la terre où les importants ne prennent nulle pierre à l'exception du sang, car le sang est sang, et du craquement des os, car l'os est os, et ainsi craquer et répondre, et tomber devant l'unique et l'unique, et t'appelle Dagon comme mon frère et mon roi, visage de flamme turgescent, reconnu, couronné par les heures, vois ceci tel que souhaité et ainsi écrite. Écrire, lettre figée, figée dans le temps, je t'appelle épouse, sœur et reine, oui, fosse et trône humide, lapidaire, gémissement, d'avant le mariage, voici ceci tel que souhaité, et ainsi épousé, guide à l'amour, plongé dans le jamais, abaisse-toi, ae altadun den, car trempé dans la vase, nous concevons nos bébés, et le marcheur ne se préoccupe nullement de la saleté, jusqu'à toi, jusqu'à ce que toi, oui, jusqu'à ce que toi, là, je t'appelle... L'orgueilleux, frère par la mort, ouvrier, punisseur de ceux qui attendent, les preneurs de récompenses vides, battus insensibles, poussés à se relever au matin, et voici ceci tel que souhaité, et ainsi bâtir, par la brique et le mortier, figé comme, comme des murs, et ainsi placé dans tel un foyer. À la chaleur duquel je t'appelle, pluie, fille défaite, saignée, intouchée, et ainsi toujours rougir jusqu'à ce que... Jusque sur la terre, car l'œuf est œuf, et voici, tel que souhaité, et ainsi douché, le roi rouge non souillé, figé dans la question, naissance à épas d'homme, et je t'appelle enroulé dans les guêtres, comme soi et soi, telle a été tenue au creux de la paume, une broyante sagesse, tous nos chefs transformés en récolte, recte, requête. Excusez-moi, le preneur a pris à présent, car c'est ainsi souhaité préparer tes 7 épées, merci Julien Lepers. Sensible, si laissé sur la mort, vois maintenant Gartok à être Salomette. Et ainsi je t'appellerai matrice chevauchée, gâcheur gâté, sœur catin, semence et semence. Je suis... L'hirondelle noire et celle-ci, les monnaies trébuchantes dont les vendeurs gisent en se jouant d'or, étoiles et cités, tous identiques, et pour ton unique lit, car c'est ainsi désiré, est le désir, et ainsi les gonflés, placés et pénétrés, stendre, reconstruit, telle la pitié. Visage de lac et de lampe, parler dans les eaux, c'est désiré, fais-lui grâce, figé dans des cieux morts-nés, réponse grandiose, reste au ciel depuis ta ligne égorgeur de symboles, c'est ainsi désiré, séquence figée, puisses-tu en marquer les tracés, à l'aide d'une ficelle, moteur sinistre, ginal, ae, la terre, je suis, par le 8, je la bénis, telle, terre, suis telle que terre, suis, Idès de Dreux, 7 et 7 potions d'huile, 1 et 1 des cercles tracés par les dibellites humides. Putain, mais c'est quand même chaud comme texte. 3. Concentrique et laisser leur sang inférieur s'écouler où il voudra, une naissance surveillée par les merles, le premier feu d'âtre, incante ce qui suit lorsque ton ouïe se troublera. Enchanté, celui qui enfin n'est plus enregistré, enregistré les esclaves, qui sans le savoir tournent la roue, réduit en esclavage tous les enfants de l'Obris tel qu'il est. Je suis la mer noire, oui, je dis oui. 4, à la suite. Mon Dieu, quel texte éprouvant pour la bouche.